Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Gesso Gaming pour la suite de The Evil Waiting. Donc nous sommes rendus au chapitre 8, les germes du mal. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir s'il y a des gros bébés comme la dernière fois. Ok, j'aime comment ça commence. Vous voyez la vue en face, j'adore comment ça commence. J'adore vraiment. Bon, moi je vais partir par là. Juste pour voir s'il n'y a pas des munitions ou choses comme ça. Donc voilà, déjà il y a une seringue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On éteint la lumière. On va se baisser gentiment. Putain de foire de merde. Foire de merde. Foire de merde. La discrétion et moi, on n'est pas très copains. Hein. Essayer d'avoir celui-là au moins. Ah putain, non. Bon, c'est foutu, hein. Hein ? Quoi ? Bon, bah ok. Pas de soucis, nos soucis. Un épisode qui commence bien. Il faudrait que j'apprenne à être discret quand même. Il faudrait que j'apprenne. C'est pas mon fort. Vraiment, c'est pas mon fort, mais il faudrait que j'apprenne. Ça peut être pas mal. Déjà, éteindre ça. Donc là, y'a rien. Hop. Alors. Ça, c'est pareil, doucement. Voilà. On va prendre ça. On va essayer de buter au moins un sur le. Moi je trouve que un déjà ça peut pas être mal. Mais non, mais trop pas quoi! Putain, c'est juste abusé. Non, merde, pas forcément là où il n'y a pas de balles, hein, c'est sûr, ce serait tellement joli. Trop. Tu m'as vu toi, viens. Oh putain, chier de merde. Je vais les prendre pour un con. Dites-moi que je suis dans la merde. Allez, dites-moi. Ah putain, super chouette.
On va faire ça comme ça. Parfait. Hop là, un petit peu par-ci par-là. De temps en temps, ça peut faire de mal. Peut-être que. Non mais tu... T'es sérieux mon pote? Ah oh, putain de merde. Mettez-moi en commentaire, comment être discret. Ça pourrait être... Ça pourrait m'être utile. Je pense que je vais voir si j'ai pas de... Canoir, fleur, explosif, non électrique, non évolution, non forcément. Fusil à précision. Ouais, on va faire ça comme ça. Oh putain, c'est efficace. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant? D'accord, il n'y a plus rien maintenant, super, chouette. Et chouette. Non! Non mais sérieux. Voilà. Ah, déjà, on est tranquille. Pour le moment. Pour le moment. T'as pas eu le prenage des sentinelles. Eh, tu prends pour un con, je crois que je t'ai vu bouger tout à l'heure. Hop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut? Fusil à pompe, j'en ai pas eu. Alors, bon, on est parti. Je vais éteindre la torche. Je vais reprendre mon sniper. Merde. Sérieux, t'es pas mort, toi? On a foutre un bitch. Non. Putain, à un coup, t'es mort. Cool. Étonnant, mais cool. Alors, hop. Bon, je pense que les zombies qu'on a croisés là, je pense que c'est ceux qu'on va avoir une bonne partie de la vidéo, je pense. Après avoir. Pourquoi lever aussi haut alors qu'il a la place comme ça? Je ne comprendrai jamais. Ok. Ah, le truc trop peu rassurant, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça encore?
sympa! C'est chouette, c'est chicos. Aïe! Putain, je savais pas que ça faisait l'aller-retour, moi! Ah, putain! Putain, sérieux, faut aller vite, en même temps, faut se cracher, en même temps, c'est... Et c'est pas simple! Je ne ragerai pas. Je m'en fous, je vais prendre sur moi, je ne ragerai pas. Allez! Hop, on stoppe. Hop, on stoppe. Putain. Non, ça ne bouge pas trop. C'est bon. Allez. Arrête là, je ouais. Allez. Voilà, nickel. Mais éteins ta lumière. Point de passage, il n'y a personne. Bien sûr. On y croit tous. Allez, enregistrement là. Courbe d'activité cérébrale absurde observée chez les patients 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi diminue, une envie de stase apparaît. Comme deux créatures qui voient se contraintes de vivre ensemble. Dans une mère éternelle de l'autre. C'est quoi ça, sérieux? Je pense que c'est je défonce comme la merde, mais t'as un coup de pied. Pas de respect, moi. Attendez, y'en a d'autres. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça va me faire mal ou pas. J'en ai strictement aucune idée. Mais dans la mesure où je ne sais pas, je me méfie. Ça, c'est un truc en fait où quand t'es énervé, tu sais pas quoi faire, bah voilà. Donc du coup, ça c'est bon. Oh,
arme. Bordel de merde! Cassez-vous là! Faut pas faire chier là! Allez, bouge! Allez, hop! Ah là! D'autres? Ah, c'est bon? Mais franchement, je vais pas me faire piétiner, hein. Allez, mon garçon. Heureusement qu'il est pas trop gros, bah, franchement. Il passe pile, hein. Bah, si on peut rien dire. Bah, ensuite, hein. Récupérer plein de trucs comme ça, c'est toujours très agréable. On sait toujours qu'il y a un boss derrière moi. Ou une créature. Une créature bizarre. Donc là, je pense que j'ai de quoi. J'ai de quoi mettre une 5 déjà. Je vais juste recharger tous mes flingues. Voilà. Précision, la même. Ok, carte harponneur. Le gland, on va faire, je vais prendre un harponneur. Voilà. Ok. Non mais là, franchement, j'ai même pas envie d'y aller. Allez. C'est cool. Ok. En fait, si je comprends bien, c'est qu'il devait y avoir deux panneaux. Waouh. Ouh là là. Il fallait juste regarder la base, hein, quand même. Le mec, il s'est fait embrocher devant ma gueule, quoi. Bien sûr, sans problème. Louche. Un peu beaucoup louche, m'en doutais. Il y avait un truc de pas normal. Ah, ça je connais par contre. Ça c'est dans le premier, je crois. On était allé là. Dans l'hôpital. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Il... nous...
travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, et bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte. Aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. Docteur ? Ok. Bon, je vous laisse lire. C'est très très chelou. Bon, déjà je peux plus passer par là, c'est clair. Ça c'est une bouteille. D'accord, je pensais que je pouvais prendre les cartons, mais non. Bon, bah on va continuer de toute façon, on va continuer le périple. Alors là, j'ai pensé être en cinématique, moi tranquillement, je regardais la télé en fait. J'ai pas capté, chef. Franchement, j'ai même pas calculé. Franchement, j'étais à fond dans le. Voilà, comme vous regardez la télé en fait, tranquille. Bah là, j'étais pareil. J'ai pas trop tilté en fait, tranquille. Dans ce sens-là, ça me plaît déjà un peu mieux, hein, parce que l'autre côté, j'aime pas trop. Hein. Tu crois qu'une porte, ça va l'arrêter? Ouais. D'accord. Ah, bonjour. Ok, ben voilà, chapitre 8 terminé. Je l'ai trouvé assez rapide, personnellement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que le chapitre 8 vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de The Evil Waiting. Allez, bonne nuit les gamers !